Vladimir Gordanov, l'auberge espagnole, mort fulgurante à 66 ans, le cinéma en deuil. Vladimir Gordanov est décédé mardi 6 octobre 2020, une triste nouvelle annoncée par son agence artistique Arti. Le comédien, grand spécialiste des seconds rôles, a été emporté par une maladie fulgurante. Le monde du cinéma a exprimé son immense tristesse sur les réseaux sociaux. Le cinéma a perdu l'un de ses meilleurs seconds rôles. Vladimir Gordanov est mort le mardi 6 octobre 2020. Le comédien s'est éteint en Normandie, emporté par une maladie fulgurante, comme l'a révélé son agence artistique Arti à LAF. Était dirigé par les plus grands metteurs en scène, dont Patrice Chéreau, Hamlet, 1988, et Alain François. Formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique dans la classe de Pierre Desbauch et d'Antoine Beauté, il a collaboré à plusieurs reprises avec le metteur en scène Alain François. C'est sous sa direction, dans Qui a peur de Virginie Woolf, qu'il remporte en 2016 le Molière du meilleur comédien d'un spectacle privé. En 1994, il compte Philippe, un cadre supérieur qui fait la fierté de sa mère, dans un air de famille, la pièce a succédé à Agnès Jaoui et Jean-Pierre Dacry. De Cédric Clapiche, 1996, réalisateur qu'il retrouvera dans l'Auberge espagnole, 2002.